parce que c'est important. Acte 19, 11, le verset jusqu'à 17. Comme je disais, on nous parlait, n'est-ce pas, des sept fils qui étaient des religieux, n'est-ce pas, mais qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Est-ce que m'écoute bien bien? Qui ne marchaient pas selon Christ. Ils étaient les enfants d'un sacrificateur, donc d'un pasteur, responsable d'un tabernacle. Ils ont vu Jésus. Calmez l'enfant, s'il vous plaît. Vous sortez calmement, l'enfant, c'est important. Sortez. Si l'enfant pleure, vous partez le verser dehors. Si vous voyez que votre enfant pleure, vous le bercez, partez le verser dehors. Amen. Ils ont vu les gens chasser des démons au nom de Jésus, surtout Paul. Ils ont trouvé un possédé. Ils voulaient chasser le démon, l'esprit qui était dans la vie de ce possédé. Ils étaient sept, ils sont allés se cacher, ils sont mis dans une maison. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Amen. Le possédé dit, mais je connais Jésus, je connais aussi Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est vraiment très important. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu et que Dieu ne t'approuve pas, il y a des catégories de démons que tu ne pourras pas chasser. Ça, c'est tellement clair. Dès que tu commences à les attaquer, et ils t'attaquent. Ce n'est pas tous les démons qu'on peut déloger. Surtout des démons de sorcellerie. Sauf ça que frère, si tu ne peux pas suivre Jésus, si tu ne peux pas marcher selon Dieu, il y a certaines choses, si tu es sur un terrain sur lequel il ne faut pas partir. Aller chasser les démons de sorciers dans une village, je te déconseille ça. C'est ça que vous avez vu, n'est-ce pas? Les gens sont allés faire la croisade, vous avez vu sur la croix? La croisade, tourbillon, qui est venu balayer toutes les chaises, vous dit, vous ne faites pas croisade. Parce que les démons, la sorcellerie, la truc, ils ne peuvent pas, ils ne sont rien. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans un village qui dit, il y a un dragon là qui le tue. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si Dieu ne m'approuvait pas, si Dieu n'approuvait pas mon ministère, si Dieu n'était pas avec moi, j'ai longtemps été déjà mort. Parce que j'ai vu des démons qui m'ont menacé dans les villages. J'ai vu l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de dragon me menacer dans les villages. Mais comme moi, je marche selon Dieu, je suis encore vivant. Je suis allé dans un village qu'on appelle Zegreboué. Dans ce village, plein de sorciers. Il y avait l'un des plus grands snipers en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on le loue. Le monsieur, on le loue dans le village pour aller tuer les gens dans d'autres villages. On le prend. On dit, il y a quelqu'un qu'on n'arrive pas à tuer. Ouais. Et puis, il vous demande au moins, donnez-moi 9 crânes. C'est-à-dire la viande, donnez-moi 3 personnes, 9 personnes. Je les mange, je suis rassasié, puis m'en vais. Voilà, donc ils font des efforts. Ils envoient 9 personnes, le sorcier, là, il le mange. Et puis il dit, bon, ok, allons-y. Lui, il ne loue pas les gens. Et dans ce village-là, j'avais un problème de développement. Je vous ai demandé de monter ça sur la vidéo. Le monsieur, il gâte. C'est-à-dire qu'on construit le marché, il vient détruire ça. N'est-ce pas? Il a voulu tuer le chef du village. Maintenant, ils m'ont invité dans le village pour dire, trop c'est trop, les gens meurent en cascade. Et tout ça. Donc le monsieur, il était un notable du village, mais il était un grand sorcier. Il ne sait pas quel pouvoir que les gens ont dans le village, mais ils savent qui est sorcier, qui n'est pas. Il ne sait pas quel don ils ont, mais ils savent. Donc je rentre dans le village, je fais une réunion avec eux. On m'a donné une information que les sorciers du village ont dit, je ne sortirai pas vivant du village. Alors j'ai dit, oh, moi j'aime bien ça. Amen. Amen. Parce que la Bible, il faut éprouver la parole de Dieu. Le diable, c'est un... Dis à quelqu'un, c'est un menteur. Alléluia. Dis à quelqu'un, le diable, c'est un menteur. C'est pour ça que les gens vont parler du prophète Crasso, ils ne feront pas comme le prophète Crasso. Non, 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 non. Tu vas parler ce que mon ministère est fait. Tu as fait ça une seconde. Il va te prendre, il va te faire comme cannibale dans la niche. Il va te fermer dedans. Il va te touffer. Tu vas aller au verset pour te chier. Excusez-moi pour l'expression. Il ne va pas te tuer à machette. Il va mettre comme cannibale dans la niche.
Puis tu tout vide. Puis tu vas te chier. Tu vas te narguer maintenant. Parce qu'il y a sorcier et puis il y a sorcier. Il va te montrer qui a mis l'eau dans ton pot. Vous parlez, le prophète crassé, comme ça, tu ne peux pas faire comme moi. Dieu m'approuve, c'est pour ça que sur tous les terrains où il y a la sorcellerie, je les gagne. Victoire, 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 victoire. Voici un exemple dans la Bible. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Il n'était pas dans la vérité, mais il voulait exercer le ministère. On ne fait pas, il ne faut pas laisser un terrain que tu ne maîtrises pas. Si Dieu ne t'approuve pas, laisse affaire de sorcellerie. C'est pour ça que les gens sont partis sur le terrain. Ils sont allés, ils ont fait croisade. Certainement, ils ont gêné. Oui. Mais il y a des choses qu'il faut faire quand tu rentres dans un village. Alléluia. Amen. Amen. Je suis rentré dans le village, j'ai mis embargo sur eux. J'ai commencé par la rentrée du village, à la sortie du village, le milieu du village, j'ai prié. J'ai fermé tout leur aéroport. J'ai fermé, personne ne sort du corps. Personne. Je suis allé m'asseoir. Moi-même, je connais Action Prophétique. Amen. Je t'assiste. Je me suis levé à 5h30. J'ai commencé à crier. Jésus, Jésus, Jésus. Et puis je me suis levé et dit, vous, je vous mets au défi. Celui qui est sorcier, qui tue l'homme, il n'a qu'à venir me croiser. Jusqu'à 8h, personne. Amen. Je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir, lui, là, sur leur appartement. J'ai dit, maintenant, celui qui veut se faire délivrer, venez. Les voici maintenant, chacun vient. Le cagouo, le cagouo, Jésus sorcier, oh, Jésus sorcier, oh, vrai, vrai sorcier, oh, Jésus sorcier, oh, vrai, vrai sorcier, tiens sorcier, oui, vrai, 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 vrai. Frère, Dieu m'a donné un don. Protégez-moi, que de me délivrer. Aidez-moi à aider l'Afrique. Comme moi, comme ça, c'est lui qui voulait détruire. Les gens ont tué des gens en cascade. Dont le monsieur, le sniper, dit il va tuer le prophète. J'ai dit allez le chercher. J'ai dit au chef du village, ici là, il n'y a pas à faire de chef du village. Hein. Si elle est dedans, je te mets aux arrêts. C'est la brigade. Façon de te mettre aux arrêts, je vais te mettre aux arrêts. Vous tous les notables, vous êtes dedans, et on est aux arrêts. C'est le protocole, on a signé les papiers. Je dis, je ne suis pas venu pour m'amuser. Ce n'est pas pour dire Jésus, Jean 3, verset 16. Non. Je suis venu attraper les sorciers et puis les, vous délivrer. Je n'ai pas fait de Jean 3, verset 16. Je suis fatigué de ça. C'est attraper un sorcier ici. Ils sont allés le chercher. Ah, lui, il était trop près, il m'attendait. Il a essayé la nuit jusqu'à ce que ça n'a pas marché. De lui à moi, il était assis. J'ai vu l'éclair. Éclair là. Brrr! Le tonnerre a grondé. Il s'est arrêté 5 minutes, il m'a regardé. J'ai résisté, il est venu se donner. Il s'est mis à genoux. J'ai dit, il dit à partir d'aujourd'hui, pardon, délivre-moi. Parce que ce qu'il a envoyé contre toi, tout le village a vu l'éclair. Ça a tenu. Tonnerre. Chez lui, il allait tomber. Il m'a tiré sur moi, bout portant. Ça fait un retour à l'envoyer sur la papier, lui, mais il est tombé, il trempe. Tout a forgé contre toi, c'est là. Ça, c'est fait. Sont levés, ils n'avaient pas le sang de Christ en eux, ils ne sont pas repentis, ils n'avaient pas abandonné certaines choses, ils ne pouvaient pas chasser le démon. Le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul, vous, qui êtes-vous? Le démon les a tués, frappés, les a mis nus. Il y a des territoires, frère, tu n'es pas délivré, tu n'es pas, marche pas selon Dieu, tu ne peux pas. Il m'a envoyé la vidéo, on dit, prophète, rien, les sorciers, dit, mais pourquoi pour moi vous ne montrez pas aujourd'hui? Pourquoi la partie où il délivre les gens de sorcellerie, vous ne montez pas. C'est là où il y a tourbillon qui casse les chaises. C'est ça, ça vous intéresse. Et j'ai dit à celui qui a envoyé là, dis-moi où vous avez tourné le film. Et puis, amenez-moi dans le village. Dites aux sorciers du village, j'ai Marichal qui vous cherche. Je vous cherche. Pour vous dire, si vous voulez chasser des démons, c'est vrai, c'est biblique. Mais pour être un vrai délivreur, il y a des choses que tu dois abandonner. Parce que le diable sait qui tu es.
qui ne peut pas aller vivre dans la prostitution et puis venir chasser un démon. Qui ne peut pas aller vivre dans le mensonge et puis chasser un démon. Qui ne peut pas aller avoir un fétiche et puis chasser un démon. Ce n'est même pas possible même. Qui ne peut pas être un voleur et chasser un démon. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, il est passé dans les rangées. Les démons, ils savent qui je suis. La Bible dit, quand Jésus passait quelque part, les démons disent, mais qui es-tu pour venir nous troubler? Quand tu as l'onction de Dieu, tu es dans la vérité, tu troubles les démons. Amen. Tu troubles les démons. Dieu nous appelle un ministère de délivrance. Mes frères, il y a des territoires, il faut commencer à abandonner certaines choses. Laisse certaines choses. Il faut commencer à te positionner. Nous sommes des êtres humains. Mais à un moment donné, il faut te repentir. Il faut commencer à arranger ta vie. Il faut commencer à vivre selon Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, ces démons-là vont t'attaquer. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Qui m'a bien écouté? Amen. Dieu, quelqu'un ne joue pas avec les démons. Et on ne joue pas avec le nom de Jésus. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Les démons disent oui. Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais toi, n'importe quoi, toi, t'es qui? Puis moi, tu as mes... on est même chose. Possédé, que toi, tu as le lien, le nom de Jésus sort. Chez moi-même, viens échiffler les démons, les a frappés, les a mis nus. Cyril, tout ça l'a déchiré. Cyril, fait. Il a tout ce qu'il fait. Vous voulez jouer les démons? Tu as une délivrance. Arrête ta vie. Arrête ta vie. J'étais à Zaroko, on a envoyé le plus grand sorcier d'un village. Il a tout mangé, dit pardon. Pour sortir du village. Sort. Il doit demander pardon. Dit, on ne peut pas. Parce que quand il mange, matin, il vient demander pardon. J'ai tué quoi Dieu? On dit, on te pardonne. Après, il dit, aïe, t'es mort là. C'est moi et frère sort Bogosso. Pour manger. On dit, ah. Kendrick qui vient de mourir là, il fait soi gnagna. Eh foutu. On dit ah bon. Jacques Coin qui vient de mourir, on dit mon pardon. Ah, tu as tué Jacques Coin, va du village. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé du village. Ils ont tout fait. On l'envoie dans mon camp, à Zaroko. Moi je l'accepte. Son tuteur. La nuit, il veut prendre mon âme, il fait son arracher. Je suis couché et je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre, je le vois sa main, qui dit, mais sorcier, ton tuteur. Je me suis réveillé. Ça y est, il a bipé mon âme, il voulait prendre mon âme. Je me suis réveillé, sa main était là, bloquée là. Commandé les tomber dans sa chambre. Je lui ai dit, moi-même, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. C'est moi. Tu vas couper une main dans son arachide. Qui va t'héberger après? Il me dit pardon. Imaginez-vous un instant. Si je n'étais pas dans la parole de Dieu, il me tuait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Amen. Vous aimez bien la délivrance, ok? Il y a des choses que vous devez abandonner. On ne peut pas avoir de fétiche et puis venir chasser un démon. C'est même pas possible. Il va te tuer. Parce que si tu as un fétiche, tu vas rencontrer le démon plus puissant que le fétiche. Il va te tuer. Le jour où il va te tuer, Dieu le dragon de gros, c'est qui j'ai vu chez moi. Le démon, l'esprit est venu m'attaquer chez moi à la maison. Il a tapé la porte. Sur la toiture, il a tapé la porte. Je me suis levé, je suis venu me mettre au salon. Je lui ai dit, si tu es garçon, rentre. Je suis garçon. Viens au salon, on m'a fait balade. Tu ne peux pas te mettre chez moi. Il t'a dit, je suis prêt. Je suis prêt. Je vois, il t'a plu. Il dit, tu t'as plu. C'est ce qu'on appelle violation à domicile. Je suis couché chez moi, je n'ai rien fait, tu marches la toiture, tu m'embrouilles, je sais que c'est toi, tu tapes à ma porte. Bon, maintenant, rentre. Je suis assis au salon, il y a pas. Parce que j'ai une chose, que je suis convaincu, je suis chrétien. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Je suis convaincu que je suis dans la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu doit s'appliquer à ma vie. Luc 10, verset 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les démons et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Je suis convaincu qu'il ne pourra rien contre nous.
Ma fille, dans Dieu. Ah. Oui, mais doucement. Petit œil là, quand tu as cassé. Je vois comment clair pour attraper les soucis. Amen. Amen. Quand j'ai fini, je suis allé tuer le dragon. Les gens m'ont dit, tu ne vas jamais tuer le dragon. Tu ne vas jamais tuer. Et lui, il est dans l'éternité. On dit non. Je suis allé tuer le dragon devant tout le monde. Quelle sorcellerie. C'est pour vous dire, frère, si tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Quelle attaque, moi, je ne reçois pas. Ah non, je suis attaqué. Pour moi, c'est plus grave que pour vous. Qui ne manigance pas les choses pour me détruire? Qui ne le fait pas? Plein de choses. Plein. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons dans Matthieu chapitre 12, le verset 43, le verset 45, le verset 44 au verset 45. Nous allons voir comment conserver la délivrance. Aujourd'hui, à cause de WhatsApp, mais on ne peut plus respirer. On t'envoie une vidéo, tu vois, mais voici la fille les nuits. Et puis, elle se massive, elle te dit, viens en faire. Toi-même, tu es choqué. Tu es troublé. Elle envoie ton esprit. C'est comme ça, ma vie. Parce que je guéris les démons. C'est comme ça. On ne pouvait pas me manger la nuit. À bon entendeur, celui qui fait ça ici, là, le jour il vient à l'église, il le dénonce. Amen. 44, 45. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 12 à partir du verset 44. Écoutez très bien. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Matthieu 12, c'est ça? Oui. 44. Merci, que tu te bénisse, ma fille. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Le 44? Oui. Non, pas le 42. Oui, le 40. Non, 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 le chapitre 12. Oui. Le chapitre 12. Merci. Allons-y, 42. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 42. La reine du midi. Matthieu 12. Oui, c'est ça, papa. C'est ça? Oui. Vas-y, c'est ça? Oui, Matthieu, chapitre 12. C'est ça? Attends, attendez, excusez-moi. Amen. Je me suis trompé juste un peu. Je vais régler ça. Amen, on acclame le Seigneur. Amen. Je vais régler ça rapidement. Amen. Je vais régler ça rapidement. Nous reprenons d'abord Matthieu 10, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'est 10, non? Oui, papa. Ok. Reviens maintenant à Matthieu 12, verset 43. Voilà. Matthieu 12, verset 43. Amen. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il va par des lieux arides. Il va dans les lieux arides. Cherchant du repos. Cherchant le repos. Il n'en trouve point. Ça veut dire que quand il sort de ton corps, il cherche à rentrer dans un autre endroit. Et comme il ne peut pas rentrer dans un autre corps, tant que la personne ne donne pas l'autorisation, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que quand on chasse un démon ici, il ne peut pas rentrer dans ton corps tant que toi tu ne dis pas de venir. Donc quand on le chasse, il va dans les lieux arides, c'est-à-dire les lieux, n'est-ce pas, qui ne sont pas fréquentés, les lieux où il n'y a pas d'habitation, le aride. Donc quand on chasse un démon, n'ayez pas peur. Tant que toi tu ne dis pas non, démon, si tu sors, viens. Il y a des gens qui disent, si tu as dit, ça va dire, oh, je suis content. Donc quand on le chasse, il va dans les lieux arides, dans les lieux qui ne sont pas fréquentés,
Donc il va se balader. S'il ne trouve pas un coin pour rester, allons-y. Alors il dit. Il dit. Je retournerai dans ma maison. Alors il revient. Que je suis sorti. Il revient revoir son ancien habitation plutôt. Amen. Il a trouvé vide. Maintenant il trouve sa vie parce que quand on chasse, le corps devient vide. Or. Et orné. Très bien. La nature aurait dû. Très bien. Il ne faut pas qu'il y ait un vide. Justement, il ne faut pas qu'il y ait un vide. Parce qu'il revient. Ce sera que le dimanche prochain, nous allons parler de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand un démon sort de votre corps, il faut que le Saint-Esprit vienne vous habiter. Il fait de vous son temple. On dit habitation. Or, quand le Saint-Esprit vient, vous devenez le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit fait partie. Et puis, ta manière de faire fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas. Parce que tu peux choquer, frustrer. La chose la plus facile à partir, c'est l'Esprit Saint. On les chasse. Tu peux les chasser de par ta manière de faire. Vous comprenez? Ok. Donc, quand un esprit sort d'un corps, n'est-ce pas? Il va, il cherche, il revient pour regarder. Ah, j'ai quitté Mariam, non? Oui. Mais Mariam, là-même, là. C'est vide. Elle ne prie pas, mais elle est toujours dans les bars. Elle cherche un mari des gens. Elle se prostitue. Elle ment toujours. Elle critique. Je suis revenu. Vous comprenez? Donc ne dis pas que non, on a chassé, ils sont revenus. Mais c'est toi. Ce n'est pas l'homme de Dieu, non. L'homme de Dieu, non. C'est toi qui dois conserver cette délivrance. C'est ça qui salue l'homme de Dieu. S'il a chassé un démon, gloire à Dieu. Amen. Au moins l'esprit est parti. Amen. Mais c'est à toi de savoir conserver ta délivrance. Amen. C'est ça le problème. Amen. De beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ils pensent que quoi? C'est l'homme de Dieu qui va venir. Vite ta vie chrétienne pour la place. Mon œil. Vous quittez l'église, vous êtes les menteurs. Vous avez les réseaux, ce n'est pas d'informations, vous critiquez. Vous partez sur vos sites, on appelle Apourage. Point. C'est comme, non? Non, comme la main plus grande que comme je vois. FFS, c'est grand. Il est grand, fait de France 24. Fait France 24, quand il y a une information, on ne dort pas. On ne dort pas. C'est rouge, rouge. Ils gens. On dit, mais souvent, ils disent, c'est bon, frère. C'est bon, on a compris. Chacun est mêlé. Ouais, disons, mais le diable, comme je dis, c'est clair dans le passage, il sait qui tu es. Non, on a fini de prier chez moi, les démons sont revenus. Mais si on a prié chez toi, que les nasses qui sont sur ton lit. Si on a fini de prier pour toi, que tu as les talismans, ça ne se mélange pas. Dieu et les fétichistes, ça ne va pas ensemble. Amen. Vous voyez un prophète en marabout. Non, je suis désolé. Je vais prier pour vous. Et puis toi, tu allais, tu trompes ta femme. Hein, tu vas, tu te prostitues. N'importe quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas d'effort à faire. Voilà, on a prié pour moi. Tu continues toujours de faire tes bêtises. Le démon, il va revenir. Maintenant, cette fois-ci, c'est grave. C'est ça le danger. Allons-y. Au verset 45. Il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui. Il prend avec lui. Sept autres esprits plus méchants que lui. Dis à quelqu'un, sept autres esprits. Sept autres esprits. Sept autres esprits. Maintenant, la Bible dit que plus méchants que lui. Hein? Ça dit s'il était 10 qui sont partis. Chacun a 7. 10 fois 7. 70. Allons-y. Il entre dans la maison. Il revient maintenant dans la maison. S'y établisse. Établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pire que la première. Vous comprenez? Sur la question des délivres, il faut même faire beaucoup de choses. Il faut même faire à beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dois impérativement abandonner. La mauvaise compagnie laisse ça. Le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas une religion.
Elle est une vie, c'est un comportement de chaque jour. Si tu veux que Dieu te bénisse, ça va dépendre de ta manière de marcher avec lui. Amen. Je n'ai pas compris sur toi. On a chassé les démons, ok. Mais comment tu vis avec Dieu? Il dit, si tu m'obéis, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mm-hmm. Vous voulez qu'on prie pour vous, mais vous ne voulez pas obéir au Seigneur. C'est ça le point d'interrogation. Vous pensez que c'est la prière, vos bénédictions dépendent de l'imposition des mains. Oui, dans un moment donné, on peut t'aider. Mais pour rentrer dans une dimension de bénédiction, il faut que toi-même, tu chantes de camp. Dis à quelqu'un, chante de camp. Chante de camp. On finit de prier pour toi, non, huile en avait. Si ça sur toi, c'est, tu es bien, ça te rend brillant, brillant. Tu vois, c'est drouillé. Les vieux du village disent, donnez-moi drouillé. Elle va manger son riz local. Non, les sorciers, c'est fini. Et puis c'est toi qui es en train de faire les conneries. On finit de faire, c'est toi qui on te voit dans les coins où Dieu qui n'honore pas le Seigneur. Il dit, j'honore celui qui mord. Le contraire, si tu n'honores pas, Dieu va t'honorer. Vous partez dans les endroits où il y a les démons. Toi-même, tu sais que là, il y a les démons. Tu n'as pas besoin que toi-même, tu sais que là, où tu es quitté, là, les démons vont te suivre. Donc, quand on chasse les démons, ils s'en vont, ils reviennent après pour dire, ah, Jésus n'est pas là, hein? Ok. Ils ont pu me chasser parce que j'étais faible, non? Cette fois-ci, j'ai envoyé les démons qu'on ne peut pas chasser là. Donc, tu vois que la personne va aller d'église en église, elle n'est jamais délivrée. Non, on avait prié pour elle, pour que les démons soient revenus, parce que la personne a accepté que les démons reviennent. C'est tout. C'est pour ça que je vous ai dit, la délivrance, ça se désire. Ça ne dépend pas d'un homme de Dieu. Non. Tu es libre. Et la condition maintenant devient pire. Qui est la première. C'est tout. Vous avez compris? Amen. C'est ça qu'il faut savoir conserver. Quand tu as délivré, il faut commencer à enlever. Si tu étais dans la rose-croix, jette les livres de la rose-croix. Si tu étais dans la franc-maçonnerie, il faut commencer à brûler. Tous les livres de magie, les petits talismans, les trucs bizarres qu'ils t'avaient donné, tu mettais ça comme protection, il faut brûler ça. Sinon, les démons seront toujours là. Amen. Amen. Si tu avais des choses bizarres, laisse. Commence à mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Tu voudrais la puissance de Dieu. Sinon, les démons reviendront toujours. C'est ça que les gens, ils sont des éternels papillons. Ils sont en train de papillonner. Ils sont partout à la fois. Et c'est eux maintenant qui jugent. Lui n'est pas fort. C'est l'autre qui est plus fort que l'autre. Lui n'est pas fort. Mais ça veut dire que ce n'est pas lui. C'est toi ton problème. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas appris à un moment donné conserver ta délivrance. Sinon, il n'y a pas un démon qui peut me résister. Amen. 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 C'est la chose la plus sûre. Pour quelqu'un qui marche dans le Seigneur, aucun démon ne peut le résister. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Je me base sur les principes de la parole pour parler. Amen. Le jour où tu marcheras selon la parole de Dieu, aucun démon ne pourra te résister. Amen. Vous comprenez? Amen. Le jour où tu mettras de l'ordre dans ta vie, aucun démon ne pourra te résister. Amen. Cette foi de l'onction dépend. Si tu veux avoir une autorité sur les esprits, ça dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Amen. Si tu veux voir Dieu te protéger, ça dépend de comment tu marches avec Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, quand on vous dit de vous délivrer, commencez à vous arranger. Commencez à préserver cette délivrance-là. À savoir, retenir ça. Commencez à vous séparer de tout ce qui est démon. Tout ce qui est démoniaque, les choses du diable, ça doit pas vous intéresser. Vous allez dire, ah, mais oui, Dieu te délivre, pourquoi se préserver? Il n'est pas malade. Comment lui va te délivrer? Puis toi, tu allais te donner au diable. Lui, il te délivre. Maintenant, toi, tu sers le diable. Il n'est pas malade, hein? Il attend quelque chose de toi. Quand il te délivre, là, c'est pour le servir. Dis à quelqu'un, Dieu te délivre pour le servir. Dis à quelqu'un. Dieu te délivre pour le servir. C'est ça le problème des gens. Ils pensent que non, Dieu les délivre, non. Il m'a délivré, mais je suis délivré. Je continue. Tu ne continues plus. C'est ça qu'on appelle la repentance. Tu pardonnes, tu te retournes, Amen. Tu suis Dieu. Amen. C'est comme ça. Tu avais un chemin que tu empruntais. Stop, tu te rencontres avec Dieu. Il te transforme. Allez, tu le suis. C'est ça qu'il a dit. Celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. C'est un renoncement de soi. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais ce que veut Dieu. Amen. Amen. C'est ça le disciple. Amen. C'est pour ça qu'il y a les gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils sont plus pires que le païen. Comment toi, tu dis que tu es chrétien? Tu fumes comme un volcan. Le Saint-Esprit en toi, tu fumes. Regardez lui là. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit est là, tu fumes pour le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit.
il va fuir. Si le Saint-Esprit n'est pas là, qui vient? Un démon coriace, plein de cornes. Il assied ta petite culotte, ça noire. Il est dans ta vie, là, il te pique ses cornes. Vous cherchez des. Pourquoi vous les cherchez? Pourquoi vous êtes comme ça même? C'est un démon, vous jouez. Comment le Saint-Esprit est là pour qu'il fume? Toi, tu peux accepter de vivre dans une maison où il y a fumé? Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un peut accepter de vivre dans une maison? Le corps de l'homme est une habitation. Vous comprenez? Lui, il vient séjourner chez toi. Et puis toi, tu fais fou, 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 fou. Tu es le long de bon malé ou bien? C'est toi qui a couché bon malé ou bien? Tu ne filmes pas là, ça, tu fais quoi? Où est vitamine et dans la cigarette, mon ami? Ça, quelle vitamine? C'est D ou bien? Mais c'est quoi? Je ne peux pas laisser. Mais pour Dieu, il faut laisser. Si tu ne peux pas renoncer à toi-même, c'est qu'il y a un problème. En toute chose, il y a un sacrifice. Quand tu aimes une personne, il y a toujours un sacrifice à faire. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand ton cœur te parle, un moment, tu prends des résolutions. C'est ça le sacrifice. Tu aimes le Seigneur. Pour lui, qu'est-ce que tu as abandonné? Pour lui, qu'est-ce que tu as fait? Mais à cause de toi, pécheur, chercheur de femmes, prostituée, voleur, arnaqueur, il s'est donné la croix pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais en retour pour lui? Non, je ne vais pas laisser la cigarette. Tu es un sorcier déguisé. Le feu sur ta bouche. Oui, la cigarette, mais le feu. Quelque chose, même tu payes. On dit demain, tu vas avoir cancer. Voilà, même, tu as déjà annoncé, il y a cancer dedans. Il y a une photo, même où on opère les gens. Mais pourquoi ça vous fait? Ça veut dire que tu es possédé d'un esprit de cigarette. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous venez à l'église, c'est là où vous critiquez. Tu attristes le Saint-Esprit. Il ne va plus te parler. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils mangent, je suis comme tu les vois, pendant que le pasteur prêche. Puis quand ils finissent là, derrière la chaise, pas. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas les choses de Dieu. Je suis comme la tribune. Je suis comme. C'est-à-dire, oh, quand Dieu te délivre tout ce qui est de Dieu, que ce soit la chair de l'église, tu dois prendre tout au sérieux. Amen. Tu dois tout respecter. Si tu ne respectes pas, le Saint-Esprit il s'en va. Et quand le Saint-Esprit s'en va, le corps devient vide. Donc un démon vient posséder. Lui, il vient s'asseoir. Ce qu'il va te montrer. En bas, c'était deux garçons qui cherchaient par jour. Tu vas comprendre. La nuit même, de minuit jusqu'à 6 heures, tu as déjà fini à 20. Ah? Là, c'est un peu des démons. Vous comprenez? Donc, il faut toi-même. Est-ce que tu es prêt à vivre selon Dieu? Si oui, viens te faire délivrer. Sinon, il faut rester là-bas. Parce que si les démons sortent de ton corps et que tu retournes encore, ça sera encore plus dangereux. C'est ça que la plupart des gens, non, on a prié pour moi, mais il n'y a pas. Mais vous pensez que ça dépend d'un homme de Dieu? Non, ça dépend de toi. Cette fois-ci, l'homme de Dieu t'a simplement aidé en chassant les démons. Maintenant, tout dépend maintenant de toi. Pour marcher, pour que les démons ne reviennent plus, ça dépend de toi. Il faut d'abord t'éteindre ta relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement le péché. Hein. C'est vrai, le péché est vraiment important de t'abandonner. Mais aussi, il faut avoir une vie de prière. Il y en a combien qui prient? Il y en a qui ne prient même pas. Appelle Seigneur, tu es. Mais, veillez la maison, tu n'as pas le temps de dire veillez. Seigneur, tu es. Ben. Il y a des gens même là, quand ils dorment, tu vois un conseil gaz. Tu te demandes, mais c'est quoi combien vous payez pour entrer? On dit, c'est gratuit. Franchement, il y a des gens, mais quand ils dorment, le bâtiment remue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pour les femmes. Mais il y a les femmes aussi qui ronflent. Hein? C'est trop vilain, les femmes ronflent. C'est pour nous. Laissez-nous ça. Pourquoi vous priez? C'est joli qu'un garçon ronfle, mais c'est trop vilain qu'un femme ronfle. Amen. Tu t'imagines quoi? Ta femme attend de ronfler. Viens-le. Réveille-toi, Nia. On va recommencer le sommeil. Ceux qui dorment, il faut reprendre, sinon tu es mort. Amen. Donc il faut prier.
Quand quelqu'un vit de prier, il fait peur aux démons. Non seulement ça, il faut lire la parole. Quand tu te lèves le matin, il faut méditer la parole de Dieu. Frère, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Peut-être tu dis non, je n'ai pas lu la Bible. Commence à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Si tu ne sais pas, commence le Nouveau Testament. Il faut commencer à lire vêtement. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, 4 fois. Tout le Nouveau Testament. Après ça, tu reprends. C'est comme ça. Plus tu vas commencer à t'intéresser aux choses de Dieu, plus Dieu va commencer à te bénir. Plus tu es loin de Dieu, par la prière, par l'éloignement de la parole de Dieu, tu ne viens plus à l'église. Ça veut dire que toi, tu donnes un champ libre aux démons de te posséder. Parce que non seulement il faut entretenir le corps, il faut entretenir cette relation en venant à l'église, en priant, en mettant la parole de Dieu en pratique, en s'éloignant de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, en vous éloignant de tous ceux qui vous déroutent le chemin de Dieu. Il y a des gens que vous fréquentez, quand vous revenez, vous êtes choqués. Parce que tout leur langage là, c'est démoniaque. C'est ça que Jésus dit. Celui qui aimera son père, son ami, sa mère, ses parents, même ses biens plus que moi, n'est pas dit d'être mon disciple. Quand vous allez commencer à être vrai chrétien, la première personne à vous abandonner, c'est ton vrai camarade, ton ami intime. Là. Si tu vois que tu ne marches pas selon lui, il va t'abandonner. Ça veut dire que tu es dans la vérité. Amen. Si tu n'as pas encore abandonné, ça veut dire que tu es encore païen comme lui. Parce que le jour où tu deviens un vrai chrétien, il va te fuir. Ou il te suit, ou il te fuit. Si tu n'as pas encore suivi, c'est que tu es avec lui. Or, la mauvaise compagnie corrompt les bornes. Yes. Mais Dieu ne peut pas te bénir dans un état de merde. Où toi, tu es toujours loin. Il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux. Mais au-delà de la prière, il y a la bénédiction. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? Dieu n'est pas malade. Hein, pour te bénir un matin comme ça, pour te dire, non, le monsieur veut le bénir parce qu'il est joli. Tu mens, mon frère. Je veux le bénir parce qu'il est bien habillé. Tu mens. Je veux le bénir parce que je le bénis parce qu'il m'obéit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit parce que tu mets sa parole en pratique. On m'a bien écouté. Amen. Pour terminer, nous devinons la parole de Dieu. Dans Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Nous allons terminer. Donc, après que les démons soient sortis de vos corps, après que les démons se vous disent, si tu constates qu'il y a des esprits qui t'emmènent, viens, le prophète va te délivrer. Vous avez compris? Ça, il n'y a pas de problème. On peut prier pour vous. Mais si on prie pour vous, vous-même, il y a beaucoup de choses. Chacun d'entre nous, quand il quitte ici, il sait ce qui n'est pas bon qu'il fait. Ou bien, ce n'est pas moi qui ai dit, tu connais. Dis à quelqu'un, tu connais. Chacun assis, il sait ce qu'il fait, il est pas bien. Amen. Ah, mon cher, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ça, c'est clair. Quand on quitte ici, là, chacun dans son coin, il sait ce qu'il fait, il n'est pas bien devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est tout. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Je veux voir Dieu bénir une église. Je veux que Dieu te bénisse. Dis amen. Amen. C'est tout. Le jour où tu vas abandonner certaines choses qui n'est pas la gloire de Dieu, Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. Parce que la bénédiction se mérite. Dieu, ce n'est pas un gars qui se drogue un matin, qui ne sait pas ce qu'il veut, puis te bénit bêtement. La bénédiction se mérite. Le mariage est une bénédiction. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 1, à partir du verset 8. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Allons-y. Médite le jour et nuit. La nuit, tout le temps. Toi maintenant, ton miroir, c'est-à-dire ta boussole, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça ne doit pas s'éloigner de toi. Amen. Combien de fois les gens, leur Bible, il y a plein de poussière là-dessus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Il y a un jour, je vais aller chez un monsieur pour lire la Bible. Il a pris une grosse Bible pour me séduire. C'est doré, groudé. Il a acheté ça à Jérusalem. Ah! J'ai dit pour moi, mais c'est un plateau, la librairie live. Et puis, il me donne le prix. Je suis choqué. On prend la Bible, je lui donne un verset. Il cherche ici, il cherche là-bas, et il tourne ici. Il me demande maintenant, hein? Prophète, c'est quelle page? Le passage là. J'ai dit que c'est question de chapitre et puis c'est question de livre. Exode 22, verset 10, c'est pas une sorcellerie. Il me dit, il quitte Exode, il va dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse, il cherche.
Il y a moi-même là, c'est à Noël, hein. C'est à Noël. Ah, c'est à Noël. Nous, on prend la Bible. C'est le prêtre seulement qui prêche. Nous, on dit amen. Il dit, ah, fallait dire ça. Tu dis, tu paies la Bible à Jérusalem. Moi, me dis ça. Ouais, prends la petite Bible comme moi, tu me dis Jérusalem pour me séduire. Maintenant, prends la Bible, tu dis non. Hein, c'est quelle page? C'est Romain ou bien? Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça dit, ça doit être là. Médite ça, nuit et jour. Allons-y. Médite jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Allons-y. Car, voici la condition. C'est alors que tu auras du succès. Très bien. Donc, ça veut dire. Entreprise. Ton succès dépend non de ta marche avec Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Tu n'as pas de succès, c'est l'échec, parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Allons-y. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Et c'est alors que tu réussiras. Très bien. Le succès est la réussite. Vous comprenez? On parlera de toi. Le succès, c'est quand on parle de toi. Mais c'est différent de la réussite. La réussite, ça nous permet d'établir une richesse. Il y a des gens qui étaient célèbres, ils ont eu du succès, mais ils n'ont pas eu de réussite dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas laissé un patrimoine. Il y a des chanteurs qu'on appelle François Louga, il a eu du succès, un Ivoirien, il dormait à l'hôtel, ils vont parler trop de lui. Et même une case, hein, il mourait, il n'avait pas. Il n'a pas réussi. Il a eu du succès, bien, il n'y a pas eu de réussite. Toi, on parle de toi aujourd'hui. Mais il faut réussir dans ta vie. Amen. À construire une maison que tu vas laisser demain. Amen. Alors, si tu veux, ça dépend de toi. C'est pour dire, il y a la part de Dieu, il y a ta part. On se tient debout, on va essayer de prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous levons les mains. Nous levons les mains. On approche devant ici, s'il vous plaît. Venez tout gentiment. Nous allons prier. Venez tout gentiment. Mettez la main sur mon cœur. Ce moment est vraiment très important. Chacun va dire au Seigneur. Mettez-vous comme ça. Voilà, mettez. Chacun va dire au Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, je sais. Et qu'à un moment donné, je me suis mal comporté. Je sais que souvent, tu t'es éloigné de moi. Du moins, je me suis éloigné de toi. J'ai été le premier à m'éloigner de toi. Et j'ai constaté que tu t'es éloigné de moi. J'ai l'impression que tu ne peux plus. La prière ne monte plus. Parce que j'ai fait ce qui ne te glorifie pas. J'ai fait ce qui ne te glorifie pas. Aujourd'hui, je prends la résolution de tout abandonner. Oui, pour que la maladie parte. Pour que les esprits n'aient plus le contrôle. Seigneur, je laisse telle chose. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Commence à parler. Ouvre la bouche. Commence à parler. Ouvre la bouche. Et commence à parler. Nous prions. Nous prions le Seigneur. Je me donne entièrement à toi. Alléluia. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Aujourd'hui, nous avons eu l'impression que le diable a pris le dessus sur nos vies. Nous avons eu l'impression que le diable a mis le terrain. Nous avons l'impression que le diable est en train de nous détruire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons abandonner l'esprit de péché. Nous voulons abandonner tout ce qui ne glorifie pas ta mort. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aujourd'hui, la pauvreté frappe à nos portes. La maladie des chefs, le célibat. Oui, le diable est misérable. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci. Merci dans notre cœur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci dans notre cœur. Merci dans notre cœur.
Merci, Lord. Oui, levez les mains. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Que la main de Dieu vous visite ce soir. Et je vais condamner l'esprit de la maladie en vous. Je vais parler à la maladie. Jésus a vaincu la maladie à la croix. Et la Bible déclare que c'est par sa lettre sûre que nous sommes guéris. À l'instant même, la maladie disparaît de ton corps. Dans le nom de Jésus. Le mal qui t'animait part. Et les esprits de la sorcellerie te lâchent. Et le pouvoir des ténèbres te libère. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je chasse toute forme de malédiction. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Que ceux qui vous combattent échouent dans leur plan. Que l'esprit change dans le nom de Jésus. Amen. Que la victoire change de camp. Amen. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accorde le succès. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que la pauvreté disparaisse de vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Dans votre vie. Amen. Maintenant même. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu tourne les portes. Le porte la grâce. Que Dieu vous ouvre les portes de la bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant dans votre vie. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer tout ça?